Daniel, elle va venir ou pas? Daniel, non. Elle vient pas? Non. Oh, la chute. Donc, ce stage, c'était bien sûr la joie de vivre en Méditerranée, mais surtout axé sur les personnages. D'accord? Donc, nous avons fait pas mal de croquis. Il faut exploiter ces croquis un peu. Pour faire un personnage. En fin de compte, il s'agit de faire un personnage, mais sur toute la feuille. Et comment on se... Alors, je voulais vous montrer ça. Ça, je trouvais ça magnifique. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire exactement pareil. Mais ce qui est là, j'aimerais exploiter aussi dans nos travaux, c'est-à-dire un fond coloré, d'accord, qu'on va faire à l'acrylique. D'une manière de tâche aléatoire, ce que j'aime bien, d'accord. Mais d'abord, il faut quand même qu'on prévoie un temps d'ensemble, c'est-à-dire la palette, d'accord. Ici, on voit que c'est jaune, rouge, noir, d'accord. Donc, on prévoit d'abord la palette. On peut faire dans le bleu-vert, par exemple, ou que le gris. Ou, donc, vous prévoyez la palette et après, vous vous tenez à cette palette. Ouais, j'ai encore un peu de... Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je voudrais faire quelque chose d'un peu plus irrégulier, là. Des fonds, oui. Et puis ce bleu, là, je suis pas très sûre. Ça sert à rien, mais ouais. Tu ne veux pas faire... Ouais, mais il, faut, il a besoin d'un, peut-être d'une touche plus claire. De, tu vois, des... Alors, là, à gauche, ce personnage... bleu, avec bleu, bleu là, celui-là. Tu vois, oui, il est trop, il sort trop à l'extérieur. Et il est tellement fort, il gêne de regarder le reste. Il y a juste ça qu'il faut faire. Donc oui. C'est le vêtement. Et le vêtement, oui. C'est le vêtement il faut éclaircir en fait. Éclaircir, oui, éclaircir le vêtement. Je peux la faire toute nue, hein, c'était une dame. Ben, tu peux la faire toute nue, ça sera aussi, aussi amusant. On te rend les feutres aujourd'hui du coup Est-ce que tu m'as mis ce guide tout est là en ce moment. Moi ce que j'ai vu c'est là. Ah oui, c'est là. Après, il y a plusieurs, c'est comme dans une bande dessinée, il y a plusieurs dessins à la fois sur le même carton. Et ça sera très difficile. Peut-être, attends, peut-être qu'il faudrait faire comme ça. Tu me passes ton dessin? Merci beaucoup. Et le reste, il faut que ça soit moins visible. Est-ce qu'il ne faut pas mettre une couleur froide pour éviter... Parce que l'orange, là, ça va être un grand truc d'orange. Même si je pars dans les bleus, les verts, ça va être tout ça, quoi. Soit j'enlèverai et je ferai seulement les choses qui descendent.
Pas de tronc, que ça, que, pas le tronc du tout, mais que la verdure qui descend. Là, quelques petites taches et ça va, d'accord? Peut-être là, un petit peu. Voilà. Ouais. Je veux vraiment, si vous ne voulez pas, vous faire un trou et pas dessus, encore la tête. Ça serait bon. Ici ou ici? Oui, c'est ça. Tu voulais voir? La table où on avait. Est-ce politiquement correct, Olivier? Justement, c'est avec Claire. Faut trouver quelque chose derrière pour aller. Non, parce qu'il y a, des, y a le soleil. On va, on va voir. Si on rentre si les autres, on va les enlever. Mais ça, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, celui-là, j'aime bien. Je crois que c'est celui que je préfère. Mais là, je sais, c'est dans la photo. Je pense que je le ressemblerai, celui du marché. Parce que... Ça, qu'est-ce qu'il y a fait ça? C'est à l'arrière. Après, il y a d'autres, ouais. Ils sont très bien, ces deux-là. Honnêtement. Parce que je ne sais pas qui me dise, ouais, que il faut Gérard Bosson. C'est chiant. Ah ouais. Moins qu'on puisse dire. Ah ouais. Là, j'ai plein de petites merdes. Voilà. Forcément, oui. Et je me suis dit non, ça va plaire à Yannick. Du coup.